Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur live, bienvenue. On est parti pour un petit live sur, comme je disais, MXS Rank. On va faire du Rank ce soir, on va faire du MX Simulator, on va faire du Motocross. Et on va tenter d'aller chercher des beaux points, parce que au classement on est plutôt bien de mémoire. Je sais plus tout où on va aller voir ça tout de suite. Combien on est au classement général de MXS Rank? Ranking. Je crois que oui, ça a marché normalement cet écran. Ça devrait être le bon. Non, c'est pas le bon. J'y ai cru, mais non. Hop là, parfait. Au général de rank, on est 17ème. On a 1606 de Elo. Il y a 30 personnes sur le serveur, donc il y aura du monde. Ça, c'est cool. Je ne saurais pas vous dire combien on va remonter. On peut essayer d'aller chercher le top 10 à 80 points, nous. Enfin, 74 points précisément. On va essayer d'aller chercher le top 10. Il faut passer les 1180. 80 points, ça peut se faire une soirée. S'il y a du Elo sur le serveur, ça peut se faire largement. Donc, on va essayer de chercher ça. Yo, Kevin! Si jamais tu veux jouer, Kevin, n'hésite pas. Je peux go Discord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, ouais, au programme du soir, c'est d'essayer de chercher le top 10 d'MXS Rank. Tout simplement, c'est pas là que je vais vous mettre. C'était ici. Je suis bête. Voilà, merci. Bah, écoutez, moi, ça va super. Moi ça va super. Attends, pas les tracks de cette semaine. Ouais, ils sont full speed. J'ai testé un peu tout à l'heure, j'étais en off, du coup je suis pas allé sur serveur pour aller plus vite. C'est des tracks full speed en fait. C'est tu prends tout full speed et tu vois comment ça passe. Et Inch'Allah quoi. C'est un peu ça. Mais du coup salut à ceux qui sont sur le chat, salut à vous. Salut welcome, salut à toi Fuxo, salut à toi Kevin, du coup, salut à toi Alex, salut Amo, salut De Amo, salut à toi Baptou, salut Concerisit. Je sais pas lire ton pseudo, mais salut à toi Dalia, salut à toi Diabolo, salut à toi Digan, salut Lockick, salut à toi Lakin, salut Loulou, salut Lurk, salut à toi Max Red, salut à toi MX Clément, salut Nolan, salut Racing, salut TT, salut à toi Yaya, merci beaucoup à toi Amo pour le follow, merci à toi Sidi pour le follow, merci à toi Mad Dog pour le follow, merci à vous trois, ça fait plaisir. Salut MXOS, c'est moi qui t'ai posé des questions pour se connecter à MXS Rank. Alors, oui, et je t'ai répondu qu'il fallait voir sur la Q&A, parce que clairement, ta question est dans la Q&A. Toi, tu cliques sur la Q&A, tu l'as là, ton truc, c'est toi qui l'avance. Je pense que c'est toi. Il y a marqué clairement ici, alors me dis pas que c'est pas dans la Q&A, c'est ici, clairement. Et il y a marqué juste en dessous ce qu'il faut que tu fasses. Donc voilà, c'est... voilà. Mais tout est dans la Q&A, en fait, pour trouver tout, quoi. C'est écrit tout simplement. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien sur le chat. J'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui parce que je suis en semaine full Development Fever RP, mon serveur GTA. Du coup, j'ai pas grand chose de nouveau à vous dire. Voilà. Donc, j'ai envie de dire bon, on va go sur MXS Rank tout simplement. Oui, la chaîne secondaire a atteint les 5000 abonnés. Donc, merci à vous. Merci à tous ceux qui se sont abonnés sur cette chaîne secondaire. Les gameplays vont bientôt s'arrêter. Hein. Le jeu sort demain. Raid 4. Donc je vais arrêter demain. Enfin. Je vais en mettre encore quelques-unes, je pense, mais je vais arrêter d'en mettre tous les jours. Mon objectif, c'est de faire une vidéo de gameplay tous les jours. Sur la secondaire, j'ai aussi à le tenir. Hein. Si on va voir la secondaire. Il y a la rediff du live de lundi soir qui n'est pas encore sorti parce que j'ai des soucis de copyright dessus. Donc c'est le temps de les clear. C'est un peu chiant. Mais voilà, du coup j'ai un peu spammé la secondaire de vidéos de Raid 4. Il y en a combien en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 gameplays sur la chaîne secondaire. Autant vous dire qu'il y avait de quoi faire, dont une vidéo qui est dans mes vidéos les plus vues, je crois même sur celle-ci, je crois aussi. Et elle est où? Elle est où? Celle-ci, 50 000 vues. Je sais pas ce qu'ont fait les gens, mais 50 000 vues, je sais pas. Je saurais pas expliquer les 50 000 vues dessus. Pourquoi celle-ci, 50 000, je sais pas. Et je crois que si on regarde dans mes... Par contre, là, je suis déçu, là. Les gens, je suis déçu de celle-ci. Salut mes readers. Je suis déçu. Mon Raid 4, que vaut-il vraiment? Mon test est avis hyper construit. Personne ne la regarde. Je suis trop déçu. Alors que là, je suis un gameplay tout pété où je parle même pas rien et je fais 50 000 vues. Cherchez la logique. Du coup, ouais, je voulais regarder sur ma chaîne vidéo.
Les plus populaires, si on classe ici par plus populaire aussi, forcément il n'y a que du Rai 4 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, c'est la 20ème du coup. Ouais, quand même, je pensais pas en avoir fait autant au-dessus des 50K, mais tant mieux. Mais du coup, ouais, 50K, 32 000, 31 000, 27 000, 27 000, je ne l'explique pas. Ça me tue. La vidéo endurance, donc quand j'ai mis le rush complet, sans montage, fait 27 000 vues. Je vous fais la même vidéo sur ma chaîne principale, avec du montage, plus sympa, je trouve que c'est beaucoup plus dynamique à regarder. Non, pas les plus anciennes, ça c'est un peu vieux. Les plus récentes, j'ai fait la même vidéo du coup en montage, qui est où? Qui est ici, et j'ai fait 9200 vues. Donc c'est quoi? C'est que les gens préfèrent quand il n'y a pas de montage sur les vidéos? Je serais plutôt du côté que YouTube en fait a juste voulu mettre plus en avant ma chaîne secondaire. Du coup, elle a plus mis en avant cette vidéo, donc les gens l'ont plus cliqué, l'ont plus vu que celle-ci. Je pense que c'est ça. Je pense pas que ce soit une question de montage. Après, peut-être que je me vois totalement la face et les gens préfèrent quand il n'y a pas de montage. Et je vais retourner à mes vidéos d'avant où je faisais pas de montage. Ça peut être bien aussi. Merci beaucoup, Spécimen. Merci beaucoup pour ton gift sub à Taxi. Merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir du soutien. C'est mon deuxième compte, j'ai perdu l'autre, j'ai le seum, j'ai plus mes noms de chaîne. Comment tu fais pour perdre un compte Twitch? Comment c'est possible? Yo, Mustangator, yo à toi. Yo, yo, yo. Salut à toi aussi, NRVNizer, salut à toi, salut Axel, salut à vous, salut. Salut, merci beaucoup, Mamateo, et pour le Twitch Prime. Merci beaucoup, merci à toi et merci, bah oui, à toi. Merci à vous deux pour vos petits subs. Ça fait plaisir. J'ai merci les montages. J'ai perdu les mots de passe. Bah, tu peux les retrouver normalement. Tu fais, j'ai oublié mon mot de passe et tu le renvoies. Après, c'est aussi oublier les mots de passe dans la boîte mail. Forcément, ça devient compliqué là. Je pourrais prendre une KTM. Je n'ai pas de KTM sur Rig Simulator. Donc, non, pas de KTM. Il faudra que je m'en fasse une un jour. Mais voilà un peu ce que je trouve marrant sur la secondaire. Ça m'a tué quoi. Les vues que j'ai fait sur la secondaire, c'est n'importe quoi. C'est tellement n'importe quoi que, mais tant mieux. Tant mieux, ça arrondit les fins de mois, on va dire. Mais voilà, donc on va partir sur Rig Simulator, tout simplement. Bah non, je suis plus là. Yo Théo, yo. J'aime bien celle-là, j'aime bien. Salut tout ce qui a vu, salut à tous, ça fait plaisir. On va essayer de faire du bon gameplay ce soir. J'ai testé les tracks off avant, j'ai pas fait des courses complètes dessus, j'ai fait 3-4 tours histoire de reconnaître un peu les circuits. Oui, j'ai vu ton message, le pro, par exemple, de le mettre 15 fois, je le dis tout le chat. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je me suis un peu entraîné avant, donc ça devrait aller, les tracks, ils sont pas trop complexes non plus cette semaine. Salut Louis, salut à toi. Yo Marmotte, salut, go sur Mixbike. Et Rig Simulator, c'est trop vieux. Ouais, mais Mixbike, y'a personne sur Mixbike en fait, Marmotte. C'est ça le problème. Yo Ben Caster, yo. Écoute, ça va super, Louis, ça va super. Regarde, on va faire un petit test. Marmotte, tu vas vite comprendre. Salut Alex, salut tous ceux qui arrivent sur le live. C'est un plaisir, vous arrivez tous en même temps. Welcome à tous. Si on va sur Mixbike, voyons voir les stats. Serveur. Il y a actuellement. Alors, 24, 28, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, je vais y arriver, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 personnes sur Mixbike. Sur Mixmeter, il y en a combien? Autant de dire dead game. 50 joueurs au pic de la soirée. 2, 4, 6, 12, 15, 19, 30, 32, 34, 53,
70, 74, 79, 81, 83, 85, 87. Allez, on va prendre, ouais, allez, on va dire jusqu'à 30 parce que les autres, peut-être que je joue plus. Mais en gros, dans les 30 dernières minutes, on a eu 87 personnes qui ont joué en simultané à MX Simulator, MX Bike. J'ai dit combien? 50? Voilà la différence. Mais voilà, tout simplement. Tu veux que je prenne la Kawa avec la tenue 7? On peut prendre la Kawa avec la tenue 7. On peut largement la prendre. Bike setup. Du coup, je suis plus du tout bien mis comme je voulais. Donc, on va se remettre tranquillement. Parfait. Alors, on voulait la tenue 7. Seven. J'ai une raid. Bon, on va prendre la raid, tiens, pour changer. Et Bike graphique 2020, Kawasaki. Voilà. Faut juste se dépêcher de relancer. Ça devrait être bon. Voilà. Ça marche, bébé, j'arrive. J'arrive sur DS. On me parle en mot codé. Bonsoir, bébé. Bonsoir, bébé. Et beauté. Comment tu vas? Ça va et toi? Parle pas trop fort, on risque de t'entendre à côté. Bah, ça va bien. Yo Nolan, bah écoute, ça va très bien. Très très bien, et toi? Joue à MX Simulator. Bah, on est parti, Kiki, pour faire du mixage ce soir. On va faire du mixage ce soir. Tu peux mettre un kit déco budget racing. Budget racing. Bud racing, je pense que ton correcteur a dû changer, ouais. Peut-être un jour où je mettrai un kit déco Bud racing, peut-être. Kit déco budget racing. Kit déco pas cher. C'est ça, oui. Pocher, 20 balles de kit déco. Parfait. On est à temps. Parfait. Ah oui, elle est cool cette petite tenue 7. Parfait, go. J'ai pas fait l'intro, donc faut que je fasse l'intro. T'as fait un nouveau pack? Bah c'est celle avec mon protège poignet, ma montre. Le 2.0. Ah, ok. Salut mes readers, bienvenue surtout sur YouTube, non? On est sur YouTube. Salut YouTube, on est sur MXS Rank. Comme tu vois derrière, on va faire du MXS Rank, donc bah. C'est parti, j'en ai marre de faire des intros qui durent 3 ans maintenant, donc on est direct dans le vif du sujet. Zébadi. Kevin n'aime pas les tracks de cette semaine, il veut pas venir. Ah, qui est pédé. C'est les tracks trop rapides pour lui, il y arrive pas. Ouais, c'est trop de level. Puis surtout, il y en a un, il est à chier, il n'y a pas besoin de technique du tout, j'ai besoin de savoir sauter. Quoi. Le 610, on est dessus, non? Non, celui-là, il est un peu technique, l'autre, le poivre. Moi, je me suis fait battre par des mecs que je mets, je leur mets 30 secondes, je leur mets un tour en SX et ils me battent en MX après. Ça... Yo Louis, oui, je ne vis pas seul. Il a 10 chats. Ma copine, c'est Gauthier. C'est pas moi qui fais la femme. C'est ni moi, donc on se demande bien qui. J'ai une question, si on loupe un freinage et que le gars nous reporte, on peut se faire ban ou pas? Bah ça dépend, ça se voit quand tu rates un freinage, Kiki. Ça se voit largement quand quelqu'un rate un freinage. Je fais la différence entre rater un freinage et partir dans le mur. Je vois largement la différence. Je pourrais faire une vidéo FAQ, j'en ai fait une en début d'année. J'ai pas grand chose qui a changé dans ma vie depuis le début d'année la FAQ. En soi, les pas grand monde regarde mes FAQ, donc je suis pas sûr que ça intéresse une grande partie des gens. Après, si t'as des questions, tu peux les poser là, Louis. Hein, ça sert à ça aussi, les lives. Allez, go pour la première course de la soirée. C'est BNLM, je crois. C'est le seul que j'ai pas essayé.
Moi, on le connaît. Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai pas essayé. Moi, j'ai fait une Tu pourras rota. m'aider car j'ai un problème avec le SX Orange, ça me dit que j'ai pas le track. Télécharge-le SX et mets-le sur Orange. ton jeu. SX Orange. Setup MX. Oui, c'est le 2018, il y a des textures orange quoi. Ouais, l'intérieur orange. Ouais. T'as déjà fait la moto? Ouais, une initiation. Enfin, c'est pas ce qu'on appelle la moto, c'était pas la motocross, oui, initiation. La moto, j'ai mon permis Eurocube. Voilà. De la motocross. La prochaine fois que tu dis ça, je te frappe. De la motocrotte? Du Du BMX? motocross. Du motocross? Ouais. Bah, tu dis bien une moto. Donc, tu dis Ouais. une motocross. Mais tu dis une moto, pas une moto de cross. Bah, de la motocross, oui, c'est Non, normal. tu dis pas de la motocross, tu dis du motocross. Je fais du motocross, une discipline. Sinon, tu dis je fais. Ouais. Comment dire? Prends un bon départ et. Oula. Ouais! Voilà. Voilà. Je vois pas tes tenues, putain. T'as pas de l'avoir, le Ouais. pack 2.0. T'as fait la mise à jour du patch. Oh, c'était à gauche là, c'est vrai. Oh merde, putain, j'ai foncé dans tout le monde. Désolé, ça. C'est pas volontaire. Je me souviens plus. 134, no brain. Effectivement, je me souviens plus que ça tournait à gauche, j'ai pas eu de cerveau là. C'est ça, avec, je crois, avec les 15 000 versions de Glen Helen qu'on a, c'est qu'il y a Bah, toujours c'est une ça. micro-diff. Ouais, ma version préférée, c'est celle où ça tourne à droite direct. Celle-là, c'est mieux. Donc, c'est bien défoncé là. Ah oui, et tu pars sur un petit double. Ouais. Oh, j'ai pris un coup de raquette, mon gars, j'ai pas compris. Celle-là, t'as mis de l'érode dessus? Faut regarder dans le chat. Deuxième, les gens. Deuxième, deuxième. Est-ce que la Kawa va nous porter chance ce soir? L'autre jour je suis vert pour une fois que j'avais pas la skid de la saison, j'ai une déco. Oh, ma box qui a coupé les travaux chez moi là, à la rue. Ils ont coupé la fibre optique qui La va au classe. DSLAM, tu sais, qui va au truc où Ouais. tout internet arrive. Il y avait plus internet dans toute la ville, il y avait plus de téléphone dans toute la ville pendant toute la journée, mon gars. Ils étaient bien chez Orange. Ça Tiens, roule tu comptes, tu bien. vas passer toi, mais non. Il est passé, j'ai glissé. Je vais l'avoir sur l'accélération. Ah, le coup de... Ah, dégueulasse. Tu Oh, prends mais ses coups de mec, raquette. Yo, bonsoir. il m'a rentré dedans. Fous les gamelles, le sang là. Il est tombé. Salut Greenman, salut. What? Non! Sérieusement, il a mis de la putain de physique aux barrières, je suis coincé derrière. Merde. Non! Non mais. C'est quoi ces gens qui mettent de la physique partout? T'es où là? Bah, je. Passe l'arrivée. Ah merde, ah oui, j'ai tout. J'ai perdu 10 places. Bien, parfait. Merci la physique. Pas mal. Et je lui ai revenu en arrière parce que sinon je prenais pas l'arrivée et ça me comptait pas mon tour. Donc autant te dire qu'il faut remontader maintenant. Salut Van, bah j'ai commencé à 20h30 comme tous les mercredis soirs. Yo Fizai, yo à tous ceux qui arrivent sur le live, ça fait plaisir, vous êtes nombreux ce soir. On va essayer de bien jouer. Une fois que vous êtes nombreux, j'essaie de pas vous faire regretter d'être venus. Oh le double inter! Deux places de gagner dans un virage, ça c'est propre. Quel story, il m'a rentré dedans à fond de balle, il va prendre un bon report. Deux fois qu'il lui fait ça. Bah, je n'ai marre de tes reports qui servent à rien là, Kevin, Gauthier. Donc tu fais attention de bien report quand il faut. Hein. De quoi? La dernière fois, tu m'as marqué. T'as fait un report, ouais, regarde la course du vent suivante, il part tout droit. C'est ce que j'ai mis dans ma vidéo Non, j'ai dit YouTube. je crois qu'il part tout droit. Oui. Mais en fait, j'avais pas accès au replay, moi, du coup, je pouvais pas voir. Mais la course d'avant, il a passé toute la course à faire n'importe quoi. Et à pas rouler et à...
En gros, bah, il voulait pas finir la course. Je disais, finis la course et tout, on t'attend et tout, mais... Il voulait pas. Pour ça, hein, tu sais, je me suis pas à mes portes pour te faire du boulot en plus. Hein. Oui, ouais, il y a du niveau, c'est juste que j'étais coincé derrière des barrières. Et pour une fois qu'il y a des physiques et des objets MXS, bah, c'est pile un endroit où il faut pas qu'il y ait des physiques. Vous connaissez Kevin en vrai? Oui, on se connaît. Do you know Kevin Mayer? Il y a de l'Hérode. Ouais, il y a de l'Hérode, c'est pas mal. T'as remonté un peu? 11. Les gens commencent à bien rouler sur MXS Rank. Ça qui est chiant. Ça me fait moins bonne vidéo du coup. Donc je m'en remonte moins. Merde. Faudrait que je banne les bons joueurs. Non, puis vu que les gens peuvent jouer moins, bah ils jouent plus propre aussi. C'est l'avantage de l'essence aussi. C'est bien ça. C'est bon, j'ai réussi à prendre là. Oh là, par contre, je me suis mis tellement long sur le trip. Ça passe quand même, ça va. Ça fait encore des textures dégueulasses avec les rods. C'est trop chiant ça. Je me cours là-dessus. Ah, je kiss. Bon, c'est vraiment cause de la soirée, les gens, soyez indulgents, vous inquiétez pas. Ça va arriver plus tard le niveau. C'est les tours de chauffe. Si ça roule en plus, donc. Ouais, ça roule bien. Mais il y a deux serveurs. Le qui me manque. Ouais, il y a deux serveurs, c'est ça. C'est vrai que ça roule bien. Ouais, qui te fait 4 devant là. Merci Evan. Après là, je suis pas à mon top niveau non plus, mais forcément, heureusement je progresse en 6 ans de jeu. J'ai pas un niveau de fou non plus pour 6 ans de jeu. Hein. Oh merde, putain, je suis... Je cherche pas à avoir un niveau de fou sur MXS. Tant que j'ai un niveau pour m'amuser, c'est le principal. De faire des vidéos à peu près potables, ça me va mille fois. Pour être bon MXS, faut beaucoup trop jouer, beaucoup jouer beaucoup trop souvent. Faut jouer souvent, ouais. Pas forcément beaucoup, mais souvent quoi. Et puis moi, j'ai pas le temps de jouer souvent. Sur tous les tracks qui sortent, régler la moto sur chaque track, etc. Oh putain, ce sable après l'arrivée là, il change, je sais pas, je glisse à l'entrée. Ouais, en sortie de virage là, ouais. Ouais. Oui, je suis bien dans la SL pour une fois. Ah, il y en a 3 devant là que je peux remonter, on va essayer de les avoir. S'il est remonté, 5 secondes, 5 à remonter encore. Voir même 4 hein. Si on remonte bien là, il y a moyen de bien remonter. Ah putain, je fonce dans le... Oh, j'ai fait un fond flip. J'arrive pas à gérer la courbe après le départ là. Oh, monter gauche là. Oh, fais gaffe, ouais, c'est défoncé à mort dans la descente après. J'ai pris une espèce de pelle.
Ah, je vais perdre toutes mes places. Parce que c'est bien compact derrière. Hein. Ouais. J'avoue. Ah, j'étais quatrième. Je suis resté sur la moto, mais je sais pas comment j'ai fait. Je veux te dire merci le setup. Ouais, moi je suis avec mon setup plus 6 alors. Hein. Oh, je suis retombé après! Putain, c'est cool. C'est pour les oups. T'es rôde d'être baisé. Bon. Okay. Non! Oh, ma moto qui bloque dans le mec! Pas gagné de points sur celle-là. Il est monté 6. Oula. Déjà arrivé, mais donc. On est loin de nous de l'arrivée. Merci beaucoup à toi Francis pour le follow, merci. En plein whip, je te remercie. Du coup, on finira 6ème cette course, ça va, on a limité la casse. Par contre, 2-3 endroits, c'est pas dégueu. Pas dégueu en temps autour, pas dégueu du tout. Bon, allez, on va faire un petit report. Yo, je suis trop flou. Salut à toi. C'est le dessous sur live, ça fait plaisir. Vous êtes nombreux ce soir, ça fait plaisir. Mais ça, tu peux live d'autres jours que le mercredi parce que j'ai cours le lendemain. Je live quand je peux, Evan. En gros, si tu veux ne pas avoir cours le lendemain, ça veut dire qu'il faudra que je live le vendredi soir, en fait. Ou le samedi soir. Parce que tous les autres jours, normalement, t'as cours le lendemain. Yo, Fuxo. Bah écoute, c'est ma première partie, donc pour le moment, pas de win. Pas de win pour le moment, mais bon. Et du coup, ouais, il y avait quoi comme Hello sur le serveur? C'est ça que je voulais savoir. Ça avait l'air de bien rouler quand même. On est quatrième du serveur, ok. Donc il y en a 3 devant moi. Et il y a eu un split, donc je pourrais pas vous dire la moyenne de Hello, mais la moyenne a dû bien remonter. Parce qu'elle était à 1019, mais ça a split. Et je pense que le dernier doit avoir 1100 points. Donc ouais, la moyenne doit être très très haute à mon avis. Ouais, j'ai vu Louis. Après, c'est pas fait la saison encore pour faire en 10, hein, mais il est bien parti. Mais ça peut aller tellement vite que faut vraiment attendre la fin, quoi. Le tout dernier drapeau à damier. Non, pas de Raycat aujourd'hui. Je l'ai fait lundi soir, vous étiez 30 à regarder, donc je me dis, on va faire du MXS. Il y a plus de gens qui sont attirés par du MXS, et bah c'est vrai. Puis il y a Kenpich qui fait du Raycat ce soir, donc au pire, allez voir Kenpich, il n'y a pas de soucis. On fait du motocross ce soir. Oh non, excuse-moi, on fait du motocross, oui, c'est ça, voilà. Faut pas dire de la motocross, on fait du motocross. Du motocross. On fait des barvettes, nous. Juste niveau des points de chaîne, tu pourras rajouter 500k VIP. Ouais, je peux rajouter, oui. Si j'y pense. Y'a Tom Guillon sur le serveur? Ah ouais. Non, c'est pas lui. Ah. C'est un gars qui utilise son nom d'ailleurs. C'est pas très. Non. J'ai dit que ce serait bizarre qu'il joue sans venir sur le Discord. Ça va pas être le moment où il joue trop et beaucoup, je pense. Non, non, surtout là qu'il est parti en Italie. Non, c'est vrai. C'est vraiment bien simulé MX. Bah MXS, je te laisse regarder, hein. Je te laisse regarder le niveau gameplay par rapport à tous les autres jeux de mode cross que t'as vu. Est-ce que tu connais un jeu de cross où tu peux faire ça? Des whips comme ça quoi. Tout manuellement, hein. Tout manuellement, j'ai dû freiner l'arrière pour remettre et tout. Yo Mathias, yo. Yo. Yo Mathias.
Ça serait améliorer les graphismes du terrain. What? J'ai pas compris le message avant. Charmant. Et on reste sixième. Et on a pris des peinards parce que on est sorti du track comme d'habitude et on restart. Let's go. Ok, car j'ai loupé mon freinage, je suis parti extérieur et du coup, qui est arrivé derrière moi. Bah oui, mais ça t'inquiète, on va le voir, ça sur les démos, on le voit quand tu rates le freinage. Les graphismes de la piste seront-ils améliorés? Alors non, le jeu a 12 ans, Germain, donc ça sera pas amélioré. Putain, on a fait une grosse bataille la dernière fois sur Strike, avec Gauthier, qui s'est survalé la même. Ah ouais, ouais, c'est sur notre rota. Ça date. Oh, j'ai pris moins 28. Et moi j'ai pris... Allez, descend. Moins 7. Ça fait mal. Oh, oh la vache. Gros coup de chance, quoi. Une achetée de ouf. On me saute dessus. Ah, non. C'était un peu moi qui t'en tort, là. Oh non. Putain. Salut. Salut. Non, je suis à la porte, je passerai pas. Bah, de toute façon, il y en a deux derrière là qui veulent pas que je passe non plus. Ah oh, putain, mais les gars, tombé. Merci beaucoup à toi, Smux, pour le follow, merci. Alors, on va essayer de remonter quand même tranquillement, cinquième. Non, ça se remonte ça. Hein. Ouais, bon, est-ce qu'on fait la technique bien. Secrète? Moi, je dis, on fait la technique secrète. Oh merde, putain. Ça passe, ça, je pense. Je l'ai fait 2-3 fois l'autre jour. J'arrive pas à la régule, alors je vais peut-être pas le faire là. Il y a du monde. Ça passe nickel. Tu l'as fait ? Ouais. Par contre, lui, il a gagné devant. Ouais. Il s'est éjecté, le pauvre. Ça passe. Oh merde. Non, oh dommage, un peu court. Quelle différence entre MX-Meter et MX-Bike? C'est pas du tout le même jeu, c'est pas du tout la même philosophie. MX-Bike est beaucoup plus lent, beaucoup plus lourd à jouer. Et plus facile à jouer par contre, mais c'est beaucoup plus lourd, c'est moins rapide. Et il y a moins de contenu parce que le jeu est beaucoup plus récent, il y a moins de joueurs. Mais c'est deux manières de voir la simulation différentes. Ah si, ça a rien à voir je trouve. MX-Meter est juste meilleur parce qu'il y a plus de monde dessus, il y a plus de contenu, c'est tout. Il y aurait autant de joueurs sur les deux jeux, et les deux jeux bah, vaudraient quoi. Après MX-Bike, il y a encore beaucoup de soucis, je trouve, au niveau du. La connexion pour accès au multi, tout, c'est assez la galère. Ouais, c'est amusant. Bah ouais, tu mets super longtemps à te synchro, et au bout de 10 minutes, tu te dis, bah en fait, il te manque le track. Ah bien. Puis vu qu'il n'y a pas de pack de remplacement, t'as souvent des pilotes qui sont invisibles, ou tu vois pas leur moto, ou des trucs comme ça quoi. Ah, c'est dommage. P2, allez, on va essayer de remonter P1 quand même, on va essayer de chercher ça, mais ça roule bien devant. Peut-être avec ma technique secrète, je peux le remonter. Ça y est. T'es monté 3 toi là, non? 4? 4, je suis 4, je vous vois là. Juste devant moi. Je viens de faire un petit 54 là. Non, je me mets quand sur le trip, putain, je ferai. Oh, je perds les pieds, mais c'est mort. La pied, le six d'après est encore plus chaud, mieux. Oh, le par l'avant. Oh, le par l'avant qui fait mal. Éjecté du virage, quoi. Et MX-Bike est plus. Non, il est pas plus arcade. Je dirais pas qu'il est plus arcade à MX-Bike. Je dirais limite qu'il est plus simu, peut-être que. MXS, mais. Go! Mais là, putain! Désolé! What? Putain! Il rentre comme un bongolia sur la piste! Ça part en hip hop! Allez! Du coup, je vais pouvoir me faire encore une vidéo, je me banne. Non, je dirais qu'MXBack est plus simu que MXS, mais moins marrant à jouer du coup. Parce qu'il est trop simu en fait. Il est passé trop dans.
Tu peux régler la pression de tes pneus, le volume d'essence dans ton réservoir, etc. Ce qui fait que ça devient en fait moins intéressant à jouer tellement il y a de trucs à gérer avant de bien jouer, quoi. Tu laves ta moto après avoir roulé. C'est ça, c'est chiant. Ouais. Passe le filtre. Faut que tu payes à chaque fois le kitchen, toutes les courses. C'est ça coûte cher à la fin. Oh là là, la question de la devise du créateur du jeu, c'est le motocross virtuel au prix du vrai motocross. Ah oh ? Non. Non. Le mec qui s'est mis des pieds dans le plat, quoi. T'imagines que tu dois payer, je sais pas combien ça coûte, un kitchen, mais 40 balles à chaque course, toutes les 3 courses, tu sais. Un kitchen, c'est 150 euros, alors. Ouais, 150 balles toutes les, je sais pas combien de courses. Pas kitchen de vélo. Je sais pas, moi je suis pas de cross, je sais pas. Ah oh, putain. Oh, je suis cul de la vie. Ah bah y a... Ah puis ma manette qui déco. On est dedans. Bon je vais perdre des vélos comme ça. Ah je suis 9ème, avec Dieu. Ah oui, t'es bien dégringolé. Ah ouais. On va passer 2. Oh là là. Ah t'es monté 2ème, dommage. Une secrète ça. Non mais je l'aime bien celui-ci, c'est du cool. Ouais c'est soit j'y arrive, soit j'y arrive pas du tout. Ah puis je tombe encore sur un mec. Putain. J'ai sauté 3 fois sur des mecs là. Ah mais mec, mais non, encore un. Putain mais j'ai pas de shot que je veux. Je vais dormir. Go Cresson est concentré, on l'entend plus parler. Je suis à 5 secondes du premier, donc je me dis si je peux la gagner, ça serait cool. Ça serait cool. C'est compliqué à mon avis, ouais, on va attendre le dernier tour. J'aime bien cette track où il n'y a pas de soucis pour les passer. Ouais, 3 secondes 5. C'est ce qui est juste devant là. J'ai quasiment passé à tous les tours ce. Enchaînement particulier. Allez là, faites votre travail là, faites le bien, chier. Il a rien du tout. Seconde. Oui. Ça ouais. Passe. Ça passe. Il s'est raté dans les hoops. Nice. Il a voulu trop assurer. Victoire du pilote français. Ah, ça fait plaisir. T'es encore pote avec MX Rider? Oui, avec Mathias, oui, toujours. C'est juste qu'il joue plus. Bonsoir, les coléos. Salut. Yorevo, merci beaucoup pour ton resub pour le 9ème mois. 10 mois au total. Putain, bientôt un an, dans 2 mois, un an. Putain, ça fait longtemps. Ça fait un moment que je passais plus sur les lives, mais. Je loupe toutes les rediffs. Bah, ça marche, bravo. Bah, écoute, si tu peux rester ce soir, tant mieux. On joue bien en plus, on va faire une petite victoire là, on est bien remonté. Cool. J'ai tapé le meilleur temps dans le dernier temps. Juste ouais, alors, il s'est tapé le retardataire, ouais, mais bon, t'as vu, il était à 2 à l'heure dans l'oops, hein. Il sautait limite en double oops, quoi. Donc forcément, moi, je le rattrapais super fort, et puis, bah, il a tapé la paire, il a peu de chance. Et du coup, ça passe quand même pour moi, et du coup, on va gagner des points, je pense, là. Because, on était 4ème du serveur, et on fait premier. On a battu Sam qui est devant moi, on a battu Guillaume qui est pas devant moi. Gauthier on l'a battu, Gus il a fait une grosse contre-perf, Gus qui finit 6.
Bon, ça va, nice. Moi j'aime bien ce genre de course, j'aime beaucoup ce genre de course. Mais cette piste me réussit à chaque fois, elle me réussit cette piste, je vous le dis à chaque fois. Samedi, Salty City, vous aurez toujours besoin de toutes les. Ah oui, Salt Lake City, oui, il faut tous les rounds précédents avant et le pack d'objets. Si t'as pas tout, oui. Forcément ça va marcher. Mais tout est écrit sur le 1500, quoi, pareil. J'utilise même pas le chat, je croyais que c'était sur YouTube. C'est quoi, manette manette d'Xbox One Xbox One, je sais plus quoi. Je crois que c'est la Pro. Dis-moi quand ça arrive, start, Hugo, s'il te plaît. Je te dis quand ça restart, c'est ça? Oui, s'il te plaît. On continue de se chauffer, hein. Je te fais un beau report, je pense que tu pourras le mettre dans une vidéo. Ah. Il sera pas inutile celui-là, Hugo. Le gars me fonce dessous, tu verras. On passe de course à la course avec Glen Helen. Oh, je vais se faire un enchaînement là. N'importe quoi. Bon, allez, je prends restart. Vas-y. Hugo, seul streamer qui répond à son chat, la base. Bah, c'est un peu le travail d'un streamer de répondre à son chat. Après. J'ai la chance qu'on ne soit pas au K90 quand même, nice. Eh les gens, on peut taper les 100 ce soir. Vous invitez tous, même pas tous, un demi-pote et on est 100. Vous pouvez le faire, on est quasiment là 90. On peut le faire. Mais oui, c'est la base. Après, j'ai la chance, comme je disais, d'avoir un petit chat, d'avoir une petite audience qui fait que je peux tous vous lire. Après, forcément, en pleine course, c'est compliqué. Mais après, soit j'essaye un maximum de vous lire. Ah, celui-là est difficile. Les tracks cette semaine, je les trouve plutôt sympas. Ah, technique les 6. Lui j'ai un peu roulé dessus avant, mais sinon ils sont sympas. Par deux qui sont très rapides quoi. Deux tracks où il faut vraiment pas tomber pour bien rouler dessus. J'ai pas regardé combien de niveaux j'ai gagné, on verra ça après. Il fait quoi lui? Oh ça pousse. Mais voilà, ça tombe. Et du coup j'ai pris plus 35 de vélo, nice. Oh nice. T'as fini devant tout le monde, t'es pas premier. Ouais, non, on peut sauter comme ça en triple. Et là, derrière, voilà, parfait. Allez, maintenant, on réinstalle la régule qu'on avait à la course d'avant et puis c'est parti. Les gens n'ont pas l'air très très bons sur les 6. On va en profiter. Oh là là, cet enchaînement là. L'enchaînement au ballot bleu là, j'y arrive plus jamais. Je sais pas comment prendre. Ballot turquoise. Faut finir sur le triple, ça c'est sûr. Bon, c'est bon, on est remonté 4. 3 même. Go. Il est derrière moi là. On est sur une fois, pas de problème. Un peu court sur le double. Ah, tu fais double ou tu fais trip simple? Je fais double double pour assurer parce que le trip simple j'arrive pas à la régler. Des fois j'arrive trop fort et j'arrive pas à tourner. Ah mais il fait quoi lui? Il veut me laisser la victoire. Peut-être. Oh là le cours. Oh le cours, dommage. Oh non, je glisse. Dommage, dommage, t'es bienvenu. Et puis c'est Gauthier qui prend la tête là, attention. Pas pour longtemps. J'essaie de rattraper l'eau que j'ai perdu la première course. Oh le long, le long. Allez, on se concentre. Je connais moins bien que l'autre, du coup celle-ci. C'est la première fois qu'elle est sur le... Une des premières fois qu'elle est sur le track, sur le serveur, donc forcément. Faut le temps que je me cale sur les enchaînements. Déjà j'ai bien celle-ci là. Enfin non, je l'ai pas, du coup je me rate là.
va prendre comme ça, nickel, parfait. Non, je touche. Chaud le premier. Bon, bien. Je sais pas du tout comment prendre ce enchaînement. J'ai vu Gauthier tout à l'heure bien prendre. Ouais, je fais trip, 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 parfait. Enfin, tu vas vraiment de l'extérieur. Hein. Et les lignes d'avant, t'arrives à te sauter en prenant en haut? En fait, je fais double trip. Simple, ouais. Mais tu. T'as du mal à tourner après, alors c'est chaud. Oula, je fais quoi là? Je vais fouetter le kit déco, moi. Non, oh, oh, oh non, je parle pieds. Ah, c'est Guillaume Maginot, mais putain, mais l'autre jour, je vais. Je sais pas pourquoi il a si peu de vélo, lui. Bah, l'autre jour, je jouais avec lui, mon dieu, j'arrivais pas à me suivre, là. Ah ok ouais, ok ouais. Quand tu prends bien, non, ça passe bien. T'as compris. Et puis tu mets même long derrière quoi, tu sur le deuxième. Ouais. Ouais bah, je suis long et court du coup. Ouais Gauthier, oui, il roule en vrai. Puis il roule même bien en vrai. Je me démerde. Tu fais bien de la motocross. Je vais te frapper. Faut que j'arrête d'essayer de se faire derrière table. Oh putain! Ah, il est chaud là dans la deuxième ligne. Ouais, ouais, j'arrive pas à le faire. Faut être bien précis dedans. Ouais, tu te mets trop long, c'est mort. Si tu te mets trop court, c'est mort. Parce qu'ils sont vachement à pic. C'est ça? On soit troisième, ça me va aussi, hein, mais bon. Non. J'ai pris le ballot. Oula, oula, je joue n'importe comment. Pourquoi je fais ça? Je me suis mis à la même chute deux tours d'affilée quoi, abusé. T'as refait la même? C'est bien que tu parles sur le chat, bah. Ouais, très fort. Après c'est normal que quand t'es en playing game tu peux pas non plus parler au chat tout le temps quoi. Moi c'est que je tombe H24 donc forcément je peux vous parler. Vas-y je suis. Allez on va chercher la troisième place quand même. Ah non. Ok merci, au revoir. Il roule où le Gauthier? Il nous demande dans le chat. Yo Cobra. Dans le poteau charmant. Bon, par contre, je suis 6 là, faut le temps que je me réveille un peu quand même. On est dans l'avant-dernier tour ou le dernier tour, je sais pas, je vais regarder. Je pense qu'on est dans l'avant-dernier. C'est un message. Je vais le mettre en silencieux. Il va pas se pousser de la peur là. Ah, je perds les pieds! Oh, mais je retombe de la peur. Ah non, je tombe pas. Qu'est-ce que tu racontes, Romain? Je ne parle pas ton langage. Il en pense quoi du crash? J'ai pas vu son crash à Gauthier. On connaît pas. Du crash de. Raciconis. Raciconis? Ouais. Je sais pas, j'ai pas vu. C'est un crash quoi. Ils l'ont mis dans le coma là après. J'ai pas vu sa chute parce que elle a pas été filmée je crois. Alors on va essayer de prendre au moins les deux places de devant là. Ce serait cool. J'ai que de la merde, je suis toujours deuxième, je comprends pas. Coucou. Oh putain. Coucou monsieur qui aime pas les tracks. Non je déteste. Et bon je vais venir rouler un peu avec vous. Ça va me détendre ou pas?
Bah, j'oublie l'impulsion, je me suis mis en vrac. Bon, ce track, on va pas réussir en tout cas. Il est difficile. Hein. Je repère les 35 points. Ah, c'est le SX, non? Ouais, le... Il est horrible. J'ai pas fait un tour. Prends 4 secondes. Je vais pas finir 7. Faut pas me dire ça. Non, ça va. Putain, en fait, on peut limite faire quadruple, quoi. J'allais faire triple quadruple. Ouais, tu peux, ouais. Ah, c'est... Tu peux. Il n'existe pas sur PS4 ce jeu. Non, il n'existe que sur PC et Linux. On va se jouer sur le serveur. Hop. Oh, mais je me mets court, allez. Bon, ce track, on va vraiment pas réussir. Hein. 7ème, c'est abusé. Voilà. Vous les aimez bien, vous, les tracks, là? Ouais, ça va, ça passe. La 6, il faut l'apprendre quoi, mais une fois que je pense qu'une fois que tu l'as bien compris, il y a moins de bien aigu. Ça va. J'ai fait de la merde là, hein. 7ème, abusé. Mm. Ça marche, Sylvain, à la prochaine. À la prochaine. Bon, les gens, je suis déçu là. On est 78, on est passé à 90. Vous avez pas tapé les 100. Je suis déçu. Voilà, en faisant l'impulsion, c'est passé largement mieux. Je connais, en fait, je connais tous les enchaînements, mais j'arrive pas à les mettre bout à bout et à être bien dessus. Tu vois. Ciao, Ilian à la semaine pro. Ciao, ciao. Est-ce que je roule à Saint-Jean ce week-end? Non, je ne roule pas à Saint-Jean ce week-end. Mais du tchao, Moro, tu me connais ou quoi? Guten Abend. J'ai fait de l'allemand, mais je m'en rappelle plus du tout. Je sais qu'il y a Guten Tag et ouais, peut-être, bonsoir. Mais du coup, bonsoir à toi, Romain. Ich bin Kevin. Non, ich heiße Kevin. Ouais, ich wohne Annecy. Ouais, j'ai fait ça qu'en allemand quand même. Hein. Moi, je devais pas être loin. Fais pas tes. Moi, je sais dire Entschuldigung. Oh, excusez-moi. C'est ce que je savais dire. Moi, je dis Artun Heine Grenade. Je sais pas où j'ai appris ça, mais je sais le dire. Je sais dire Schnell, U2 et. Moins 19, bon ça va, on est quand même dans le positif. Plus 22, 15. Je repasse de l'autre côté. Ce track de tes morts là. Allez, go. Ah, merde, merde là. Mais à chaque moment, je sais que quand t'as un œuf, il faut toujours bien partir lui. Il préchote toutes les grilles. De ouf. Génie. Wow. Oh là là, le diaf, c'est bon, tout le monde a rien à manger. Sans le carnage. Oui, mais c'est tellement court. Franchement, je avance, Kevin. Ah, avance à chi. Ah, mais là, t'as tellement de chance de te mettre long. Mais non, faut le régu. Wow, GG. Oh non, c'est pas rolling. Merde, mais tu l'as découpé, mais. Je suis 17ème du classement. Racing. 7ème, jure, je ne sais plus combien. Je sais pas combien encore dans la saison pour le moment. Bon, allez, on se concentre quand même, faut remonter. Là, le méga quadruple à chaque fois. Le méga quadruple. Oh, dans le sable, là. Ah, j'arrive pas à le faire. Passer tout dessus, mais j'arrive pas. Il y a plein de leaps à faire, je suis sûr. Donc, je m'y mette. Moi, des méga longs, je m'y mets déjà. Non, mais ça, tu fais que ça pour ce track. Non, je suis mort. C'est un track à scrub. Moi, je suis même pas sûr. Tu vas gagner grand chose à scrub ce track. Ouais. Je pense que c'est juste un track à régule, quoi. Oh, quand même, un scrub, tu perds quand même moins de temps, ce qui t'envoie quand même au les souvent. I don't know. Attends, quand je vais te doubler en scrub, mon gars. Vas-y. Je vais bien voir. C'est un track à découper, moi, je trouve. Ah oui, bah. Oula. C'est quoi cette tape? Ah, tape simple là, elle est particulière. Ouais, t'as vu? Je suis initié plusieurs fois, moi. J'arrive pas à me le mettre en tête, c'était un man.
Et puis la double aussi. Ouais, là, j'ai l'impression qu'elle est super courte, et en fait, la SF elle est super haute. Ouais, c'est ça. Bon, allez, go. C'est que ce track c'est tout ce que je sais pas faire, des virages à fond. Des virages à fond, puis des gros sauts, moi je sais pas faire. Moi je fais des beaux transferts. Elle court. Oh. J'ai dit, il est trop chaud à régule ce long. Mais le problème c'est que les boss sont pas simples à trouver la vitesse sur chaque jump quoi. Bon, faut vraiment l'avoir en tête quoi, c'est pas un truc où tu prends. Soit le soit bloc, soit pas fond, enfin c'est... Bon allez, le coup de raquette dans le sable. Oh, le sable il est horrible. Ouais, je viens de te voir sur ton live, Hugo, il était belle ta chute. Il a, je me suis éclaté. Oh, je me mets court sur la triple. Bon allez, faut peut-être remonter un jour. T'es combien, hein, Gauthier? Je suis deux, mais j'arrive pas à revenir sur le premier. Il me prend de l'avance, dis. Il a pu tempête au supercross tout à l'heure, là par contre. Bon, de toute façon, tu t'es bon ou mauvais, hein, c'est que ça. J'ose pas attaquer sur ce track, c'est horrible. Ouais, c'est pareil. Je le connais pas bien, donc je me mets des longs et des courts partout. C'est l'inconvénient de genre de track. Oh, nice. Ah mais je suis cinquième quand même. LOL. Elle est horrible la table simple. Ouais. Si jamais quelle vitesse la prendre. Ouais, je remonte. Je crois que tu vas mettre des bans à des gens qui ont payé le premium. Oh bah oui. Parce que tu payes que ça te permet de me jouer comme un dégueulasse. Non. Bah gros, normal. Sinon t'achètes un ban juste pour faire chier les gens. Un premium tu veux dire. Un premium juste pour faire chier les gens, ouais. Ah Yota, avec sa Seraph il m'a éclaté. Ah je me fais court. Wouah. T'as les chauds le premier virage où t'arrives plein de balles dans les vagues là. Ouais. Voilà, on va essayer de se mettre un peu plus long cette fois-ci. Je mets des gros poneys de l'extrême dans le sable. Parfait. Mais sûr, faut que je lui saute dessus l'autre. C'est abusé quand t'es derrière, c'est abusé. Tu dois prendre quel type d'abonnement pour encore s'imiter sur... Bah juste le premium, après tu prends soit par mois, soit en comptant. T'as plein de formules. Il faut juste que tu prennes un premium, je pense que tu veux. Oh putain, quel débile. Voilà, je suis bon sur ce cercle humain. Vas-y, moi je suis pas fan de ça. Et je vais lui sauter dessus. Et pile dessus. Putain, j'ai une poisse. Attends, c'est le genre de track, de toute façon, pour remonter, c'est mort. Bah, quoique, faut tellement le réguler le bordel. Oh là, je me mets loin. Ouais, encore, on est début de semaine donc les gens connaissent pas. Ouais, ça va encore. Enfin, j'ai de la mort. Ouais, j'ai une mémoire de poisson rouge, moi. Ah, mais c'est ça, hein. Bah, le mec devant moi aussi. Oh, je m'en vais où? Oh, je perds les pieds. Ah, c'était un. Oh, non, pas ma cam. Pas ma cam. Ah, puis ma manette qui déconne. Allez! Achète un câble! Allez, bloqué. Ah, bah, génial. Allez, vas-y. Achète une deuxième. Par cinquième. Quatrième. Attends, je vais perdre tous les points que j'ai gagnés avec ma victoire au 6 quoi. C'est nice ça. Hein. Encore deux tours, il y a quand même moyen de remonter. Horrible ce virage, j'aime tellement pas le premier. Le truc technique sur ce track c'est peut-être les petites ornières inter et puis le sable. C'est que technique. Il reste. Quand le sable, une fois que t'as chopé l'ornière, enfin une trace, ça va. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oh mais quand t'es bloqué là, tu fais comment? J'avoue que j'ai... T'es bloqué où? Oh mais gros. Bah quand tu peux pas faire la grosse double. Le transfert là, le truc où tu la pites. Mais gros, merde. Tu peux pas.
Comment t'as fait pour tomber là toi aussi? je suis sorti du virage. Putain, si on t'avait pas dans l'autre vie, Kevin, faudrait t'inventer. Ouais. Moi, je teste tout le track. J'ai des mecs, c'est les mêmes sur mon serveur GTA. T'as vu ce bug là? Mais attends. Pourquoi t'as fait ça déjà? J'ai eu un bug parce que j'ai voulu porter un mec et rentrer dans la voiture en même temps en prenant mon arme et tout ça. Toujours plus. Puis j'ai fait un altab en même temps et. Ça marche toujours ça les serveurs RP? J'ai l'impression que la hype est un peu descendue. C'est vrai, c'est un peu descendu, mais il y a toujours une base constante de joueurs. Ouais, il y a toujours des vagues. On tourne toujours entre 30 et 70 joueurs, ça dépend des périodes. D'accord. Ils payent pour le jeu? Bah, ils payent le serveur. Ah ouais? En même temps, tu vas me dire. Il faut juste avoir le jeu et tu peux y jouer gratuitement après. Ouais, le jeu était gratuit. J'avoue que sur Epic, il était gratuit en moment où tout le monde pouvait l'avoir. C'est ah que ouais. Bleu, oui. Ouais. Ah oui, c'est Rocket League, il t'offrait un bon 10€ pour le télécharger. Ah ouais? Ah mais gros, c'est... Le sable, tu peux pas le prendre en travers, j'étais tout à gauche pour aller choper la lanière à terre à la fin là. Allez, dégage. Faudrait essayer le setup Ezik sur ce track. Je l'ai essayé, c'est encore pire parce que j'arrive pas à prendre les virages. On va mettre ça sur le coup. Putain, et puis je mets tellement long là. On va mettre ça sur le coup que c'était la première course que j'ai fait dessus. Hein. En fait, le double il passe bien si tu la scrubes pas. T'as bien arrivé. Moi je la. Si je la whip pas, j'arrive pas à le passer. Ouais? Ouais. Ah, y'a des boss aussi, mais je sais plus c'était quel track, j'avais une boss. Je m'étais calé en whip dessus. Et dès que je faisais pas de whip, bah, je mets soit trop court, soit trop long. Bon, c'était un peu moche là ce que je vous ai fait, je vous avouerai. Nos courses d'affilée, c'était pas fou. On va voir se reprendre, sinon les gens vont fuir ce live. J'aime pas où il est arrivé. Ouais, mais bon, t'as le temps. Je dirige. 44, 6, 43, 100. Ouais. Ah, oui, c'est la grosse double. Ouais, c'est la grosse double, attendez-moi. J'ai fini en terre. La grosse bataille pour l'arrivée. Et non, ça passe pour moi. 7ème. Dégueulasse. Dégueulasse. Abusé. Oh, je vais repartir tous les points que j'ai gagnés, je suis dégoûté, on avait réussi à faire une victoire, mais là derrière, c'est pas ouf. Ouais, pas facile. Puis le track d'après, c'est encore un track full speed. Oh, c'est moi le dernier. Oh, ça tu m'as tué. Oh, c'est mon dernier. Oh, ça passe. Oh, je suis pas si mal. Ah non, en fait, je suis dernier. Yo Colin! Oh, y'a des gros transferts sur ce track. Y'a un geek qui s'excuse de t'avoir touché en l'air. Ouais, je suis comme ça moi, tu vois. Yo à toi! En route balle! Comment tu vas? Moi, je dois être trop loin au classement. 55. Allez, la prochaine. Oh. Ouais, on va la gagner la prochaine. Au moins tout ça. Genre, j'arrive à poser là-dedans. Oh, c'est tellement plus rapide quand tu prends comme ça. Mais bon, pour le régule, ce passage, laisse tomber. Après le sable, là, de faire triple. Au lieu de se faire que la table. Ouais. Ouais, bah le saut est prévu pour. Ouais, mais pour le régule. Non, je te verrai pas. C'est sur le live. Ah putain, oui, la boss est vraiment raide. La. Ouais, la récep, elle est vraiment. Faut être pile dedans, quoi.
Impeccable, je suis venu sur tous les tracks pourris, c'est cool ça. Ils sont pas pourris, c'est juste que tu ne les connais pas. Oui, on va dire ça. Bon allez, on se concentre et on fait mieux. Fernandis peut être champion ce week-end ? Ouais, bah c'est la dernière course en même temps. C'est la dernière course. Okay. Normalement, s'il finit premier, il est champion. Je sais pas que c'était la dernière course. All shot. All shot, Kim Lear. Ah, 182. Oh non, je suis pas tombé au link comme un connard. Tiens. Oh, il y a des. Oh, il y a le shot. Ah bah, il crie son low shot, bien sûr. Le joueur français. Oh là là. Ouh. Ça bouchait. Oh là là, il me fait tomber. Tombe tout ça. On peut se mettre la tête à l'envers sur ce track. Ouais, on va éviter. Hein, parce que là, je suis tombé à terre. Oh ouais, j'ai vu. On l'a tué. Je suis beaucoup trop. Moi je vais retomber là, mais je suis tombé là. Je vais éviter que je fais pas je saute là. Je te découpe Kevin. Ouh, j'hésitais. J'ai vu ta tenue. Heureusement j'ai ta tenue. Eh non, il y a abruti dans l'appel. Je l'ai vu. Ah mais j'ai pas vu. Putain, quel abruti. Je mets tellement long. Oh, qu'est-ce qui passe la piste. Je me suis tellement dans le creux du sable en bas. Ah, pareil. Putain, j'étais obligé de couper gaz, du coup j'ai perdu toute ma vitesse. Merde, putain. Ah, j'en marque un mec avec moi. Je sais plus ce qu'il faut faire là, ouais. Ça... Putain, je suis que 9ème, je suis doublé des mecs depuis tout à l'heure, voyons, on est combien sur le serveur? Je sais pas, je suis 17ème, gros. T'es 17ème. Non, j'aime pas ces coups de maquette. Quand tu glisses d'un côté, paf, tu sautes et tu tombes. Ça va se tu viens bien. Point d'exclamation skin dans le chat. Ça s'est tellement tué là. Ah ouais, on s'est tous tués là. Le saut il en va trop bizarre, mon gars. Oh, je suis 7ème, je suis 13ème. 19ème. 19ème. Et y'a des gendarmes. Il y a des gendarmes, oh, putain, y'a beaucoup. Oh bah, il me fait... Non, mais il va où lui? Là, on est pas avec les mecs les plus intelligents de la Terre. Les serveurs ont été re-split. Lui il a oublié son cerveau, le mec devant moi. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Combien, Hugo? 7. Je suis derrière toi. 23ème. T'es derrière moi là? Ouais, je te vois faire un backflip là. T'es 23ème toi, mais toujours plus. Je peux faire mieux encore. Pense un peu à la team qui est une merde. On va t'enlever de la team. Bon, faut enlever ma chaise d'abord. Oh, vous faites quoi là? Des bisous. J'avoue que c'était un peu ça. L'extérieur est tellement plus long, mouillard. Ouais. T'as le temps de t'enlever, moi je vais te chercher à l'extérieur, t'es reparti devant moi quand même. Il y a 20 heures. Oh putain, je... Je me fie sur ça, putain, chaque fois avec les coques. Tiens, faire le malin, tombe dans le ravin. Je tombe dans le ravin, là c'est clair, je suis vraiment tombé dans le ravin. Je suis parti en flip, mais pas droit, donc pour le remettre, laisse tomber. Ah mais ça va, cool. Y'a tout le monde devant moi en fait. En fait, c'est tout le monde en paquet quoi. Mais grave. Là, j'en ai 6 pilotes sur mon écran quoi, en ligne droite. Ouais, je vois où vous êtes. C'est long. Oh là 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 là, il s'éclate, je sais pas non plus comment il a fait pour s'éclater.
Oh le stop, j'y arrive pas, je sais pas où prendre. Inter-externe. Inter-inter. Ouais, moi je fais inter-inter aussi. Pour ça, je suis du 23ème. Ah bon, c'est le 219 là. Faire inter-inter-inter dans ce track de toute façon. Putain, je fais de la merde et je suis 6 quoi. Moi je suis remonté 3ème. Je passe inter ici. J'arrive pas à la choper du coup. Parce qu'il y a des trous dans les virages en fait. Ouais, c'est ça. Il y a des endroits où tu tapes des trous, tu dis what. Putain, je suis à 20 secondes du pro... des deux premiers là, j'arrive même pas à les rattraper. Tempête, t'es dans le cul. Les traces là et puis maintenant être rapide. Oh, c'est bien fait les panneautages. Est-ce que bon, je découvre la piste en fait. J'ai arrêté de faire la piste. Il note le graphisme. Alors la texture vraiment sympa. Oh. Les ornières celle-ci, ouais, je mettrai un 4 sur 10. J'ai réussi à l'avoir inter là. Nice. Oh, j'aime tellement pas la marche en montée là. Elle envoie trop bizarre. Ah, oh, elle est chelou. Je sais pas comment la prendre aussi. Elle est bien ce circuit, j'aime bien. Ouais, il est quand même technique hein. Ouais, il est technique. Et il est piégeux en fait. Ouais. Je dirais pas technique, mais je dirais piégeux. Je vais mettre du gaz, mais. Ça se méfie quand même quoi. T'as combien de temps derrière moi? 11. Ok. Dernier tour, je pense. J'arrive pas à prendre l'inter dans le premier virage, il est chaud. Ouais, il est chaud. Ah oh, putain, le seum, mais j'arrive à 2 là-dedans. Tu m'as pas tombé? Ouais, pourquoi j'ai freiné là, je suis con. Ça vous aurait quand même eu du beau gameplay sur la fin là. Merde, plus rien. Tellement bas à chaque fois, tellement peur de perdre les pieds, alors essaye que je suis à 2 à l'heure. Merci beaucoup à toi Synth pour le follow, merci beaucoup, welcome. Welcome à toi, regarde ce magnifique whip. Putain, j'ai fait finir deuxième.
Oh, oh, il est tellement parti le flip. Il est parti d'une vitesse abusée. Yo, ACST, salut, salut. En ça, on a bien remonté quand même, je suis content. Je suis content, on est plus de bien remonter. Ce jeu est que sur PC, ouais, il est que sur PC. PC et Linux, autant pour moi. Oublie Linux. Tellement un track à flip par contre, ce track. Mm. Pam. Yo Enox, yo. T'as quoi comme setup MX pour l'exclamation setup et enfin pour l'exclamation setup MXS, t'auras tous mes setups since. Là, le flip il passe tellement bien sur elle. Vous avez téléchargé le truc qu'il a suivi Mathias ou pas le jeu là? Yes! Ah, Among Us? Ouais. Je l'ai geeké un petit. C'est quoi ce jeu là? Je comprends pas du tout. Tu connais le jeu du loup-garou ou pas? Ouais, c'est exactement ça. De loin, ouais. C'est ça, mais avec des mini-jeux en plus. Ok. En gros, faut trouver qui c'est le loup-garou. Faut trouver qui est le, voilà, qui est le méchant de l'histoire et à chaque tour, t'élimines quelqu'un. Ah, ok. Si on a fait des gestes, machin. Faudrait qu'on fasse ça, hein. On essaye ce jeu. Faut être au moins 8. Ouais, en dessous, c'est pas sympa. Ah ouais? Abuser la profondeur. Ouais, les virages, c'est des vélodromes sur Strike. Mais faire hyper gaffe parce que c'est des vélodromes troués. Ils ont oublié de refaire le bitume du vélodrome et du coup. Il faut avoir 8 amis. Satelliser dans tous les virages, quoi. Le dernier va pas vouloir finir, j'imagine. List player server virgule kick. C'est machin là, il où? Final result et on finit toujours quatrième. Nice. On reste quatrième, sachant qu'on était sur le serveur, on était. Quatrième du serveur, donc c'est bien, bonne opération, on est bien remonté, on a limité la casse. Là où il y a la marche en montée, exter, à fond, impulsion, pour atterrir dans le virage possible. Ouais, mais le virage est tellement loin qu'en ouais, fait t'es venu à ralentir pour aller chercher l'inter en fait. Le problème c'est qu'il envoie bizarre en fait. Ce qui me gêne ça, c'est qu'il envoie bizarre à l'appel. C'est là, de mémoire. C'est ça. Ce qui me gêne c'est que ça envoie bizarre parce que normalement, toi là faut prendre ici. Et chercher comme ça quoi, faut passer comme ça, clairement. Voilà, si j'arrivais à passer comme ça rapidement, ça passerait bien quoi. Mais faut réussir à le caler à tous les tours quoi. Alors on va restart pour les gens. Faites gaffe, ça va resplit, on est 33, 32. Vous faites pas avoir au départ. La 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 la. Ça va très bien toi SST, ça va très bien. Bon les Glen Helen. On va essayer de faire mieux que tout à l'heure, parce que ce soir c'est pas très 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 glorieux ce que je vous propose. Hein. Ah, j'avais oublié ce track. Ok. Et après on revient au SX. Ok, bah je confirme, j'en aime aucun. Je parle de pas atterrir dans la descente, mais direct dans le petit simple avant le virage. Je vais faire des all shots. Je vois pas ce que tu veux dire. Oh non, je veux move du serveur. Oh, je fais le move. Ouais. Non, je suis 50ème. Bah, fallait me dire, on aurait fait un groupe. Ah merde. Bah non, mais je vais gagner. Hein. Ah bah j'ai Gauthier. Ah désolé. Je suis pas tombé. Non, il me tombe dedans et je tombe. Et voilà,
voilà, bon, moi je pars bon dernier. Puis là pour monter en plus ça a split donc pas marre. Ça va être complexe. On est 19. 19 ? Ouais. Je suis combien gros ? Je suis 50ème sur MXS rank. Ouais. Je vais en haut de la montée, go finir. Avec du sol à chaque fois. Ah ouais, ok, je suis premier du serveur. Ça m'aide à rien. Mais ça va flatter ton ego, tu vas gagner. Ouais, bah oui, mais bon. Et encore. Super. Hein. Ah, je me traîne de chier bon quoi. Je suis une chose circuit. Oh là là. T'es combien avec vous? 7, juste derrière toi. Ah, ok. Ah, juste, j'ai une demi-volée de retard. Oh là 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 là. Ouais, c'est court là. Hein. Oh là là, je me suis mis long. Ça chope à l'arrière. Non plus, j'arrive jamais. Ah, parfait, je suis dedans. Il y a du monde devant là, du coup. Bah, il y a tout le monde. Ouais, oh, c'est tombé. Oh, il y a trois chutes. Pickup. Hop. Ah, non, je le tape à peine et je tombe quoi. Je savais pas où il se détombait donc c'était un peu chaud à l'aveu comme ça. Ah, désolé, je sais pas dire. Oh non, je glisse. Putain, mais c'est quoi ces traces à lui là? C'est n'importe quoi. Il veut me bloquer, mais du coup, il prend des traces à la con. Je force pas. Merci beaucoup à toi, Crypta, pour le follow. Merci. Donc vous êtes au taquet aujourd'hui, c'est un plaisir. Ok, ça commence à se creuser là, les ornières. Ouais, plus sympa. Ça, il se creuse bien, ce track, c'est bien. On va tirer sablonneuse alors. D'accord, 3 gars devant qu'on peut avoir. T'es 2 là du coup? Ouais, je suis 2, le premier roule. Je sais pas qui c'est. On va essayer de se mettre moins long là, nickel. J'avais vraiment pas chopé l'inter. Hein. Ouais, je viens de la prendre moi. Putain, de gros, je fais pour me louper ici moi. Quand j'espère que vous aimez sur le live, même sur YouTube, comment on joue, parce que c'est plutôt propre là. Je parle pas beaucoup, je suis désolé, mais je suis concentré. J'essaie de remonter, il y a moyen de faire une bonne place donc.
Oh, ça roule putain, vraiment bien sur le serveur, ça roule propre. Gaffe, ils sont juste derrière toi. Ouais, je sais, je les entends. Je vais pas te mettre la pression, hein, mais genre ils sont vraiment juste derrière. C'est bizarre, j'arrive pas à le prendre, je sais pas comment le prendre. Ouais, avec la vue, on voit rien et du coup, c'est chaud à. Ouais. J'ai levé, toujours pas fait un système pour lever légèrement la caméra quand t'es en montée. Ouais. Ouais, j'ai pas envie de s'en, c'est top. Voilà, ça va me défoncer. Attends, ça me fait peur quand il y a des mecs devant moi. Non, 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 non. La vieille glissade. Bon, allez, les gars, je vous laisse. Ça marche, ciao. Bonne soirée. Bisous. Allez, P5. Il y a moyen de remonter encore à quelques places. Je vois. Trop de merde. Oh, je suis carrément dans les malos là. Ah, je suis à côté. Les gens ils sont chiés à prendre la bosse en terre alors que l'extérieur passe très bien aussi. Ouais, l'extérieur est pas mal. Mais vu que tu peux bien sauter dedans en fait, ça passe bien quoi. Ouais. Bon là j'aime pas du tout ce S. Je crois que j'ai une part. Putain mais ça roule hein, en tout cas. Le premier il qui part. J'ai pas l'impression de me traîner le cul. Oh là là. Allez, on prend l'inter là. Voilà. 15 tentatives. On finit par y arriver. Et on passe 4 en plus. Nice. Chier. Premier tour, on essaie de la garder. T'es tombé au bout là-bas, je crois. Moi j'essaie de prendre plus large. Nice. Il est tombé derrière moi, voilà, il a voulu prendre trop vite. C'est tellement l'aveuglette, c'est parti là. Ouais, j'aime pas moi. Les deux descentes là, elles font baler, t'as envie de mettre du gaz mais tu peux pas. Moi je suis full première et j'attends. En moteur, ça passe nickel. Voilà, tu te laisses aller, paf. Pas de risque. Parfait. Où il est tombé, nice. Allez, troisième, on va essayer de garder la place. Il reste un demi-tour à faire. Depuis tout à l'heure, on fait des belles. Non, je tombe là, non, sérieusement. J'ai dit, Pierre, faut prendre ici, c'est facile. Et qu'est-ce que je fais? Je m'éclate dedans, quoi. Puis je perds de place. Oh, la poisse. Non, je suis dégoûté. Ça y est, il se rate. J'ai poussé l'arrivée en perdant les pieds. Je t'ai dit. Oh, tu lui as pris le roi. Ah, je suis deg dans le virage, je disais justement faut prendre l'extérieur. Il est tombé, il est arrivé. Regarde. Oh la chance. Ah, nice. Il perd de place. Nice. La chance. Tiens. T'as pas problème. J'ai un petit problème quand j'essaie de me connecter à 1500, ça me dit que je suis trop vieux.
J'aime bien les gens qui trahissent ça comme ça. Regarde sur la Q&A du site, la FAQ Smart, t'as la réponse à ta question. Ça me tue comment les gens ils traduisent ça. J'accepte que les mineurs, désolé. Est-ce que tu sais quand MXGP 2020 sort? Ouais, le 10 décembre? Non, le 10... Oui, c'est ça, oui. Et on reste 3ème, nice! On rattrape la petite faute à la con qu'on a fait. C'est comme si elle n'était pas là. Une propre? Et on va passer au SX. Mmh. Et toi, tu as quand MXGP 20? On l'a pas encore dit, mais je pense que je l'aurai un mois avant, comme tous les jeux Milestone, donc début novembre. Enfin, début mi-novembre, je pense. Et du multi sur Rail de 4? Ouais. Ah, Salt Lake City, allez. Cool ta vie, Paco. Cool, cool, cool. Ça marche pas. Modo et moitié. Cool. Salut Sledding, salut à toi. Plus 63. Allez, plus 39, nice. Je suis passé 5ème au classement général. 544 sans tonne. Il y a la grosse contre-perf en fait avec les nails, c'est pour ça. Ouais. Oh putain. Il a pensé de. Ah là là. Pas de chance, pas de chance, pas de chance. Ouais, pour monter là. Good luck. Comment ça roule? Putain, j'étais bien parti pour une fois. Bon, allez, pas de merde. On part dernier, comme ça au moins. On peut que remonter. Poche. Ça pousse de ouf derrière les mecs, ils sautent. Ils sautent, tout le monde, personne avance, ils sautent. Gros enchaînement, rien. Hein. Comme dans les premières lignes, à chaque fois les gens. Ah, ils sont dans le tas, bon allez, on fait gros enchaînement, on assure rien. Ah mec, putain. Je crois que ma technique secrète, je vais gagner 15 places, tu vois. Tu vas sauter sur tout le monde. Oui, il y en a qui l'a fait. Pour sauter dessus. Je vais tout me faire sauter dessus. Non, c'est pas nickel. Oh, il y en a un qui est chaud là, qui est en deux. Si vous demandez pourquoi je fais cette trace là, c'est juste qu'elle est légère plus rapide. En fait, ça évite de freiner comme en bleu aussi. Je m'en vais où? Oh voilà, si je prends pas 50 minutes de pénal, c'est pas normal. Bon, on est en T6 déjà, allez, continue. Parfait. Premier, il est type 1. Putain, il roule ce con. De faire ça, c'est de me faire sauter sur le trip en fait. Ouais, c'est ça qui est chaud là. Il est cool ton enchaînement, mais il est chaud. Oh, putain, mais mec! T'es obligé de forcer comme ça de l'app là. Putain, c'est un forceur ce type, c'est un truc de ouf. Hein. Comment il zigzag lui? Clairement me sauter dessus l'autre. Putain mais... C'est quoi cette trace à la con qu'il a pris? Là vraiment il cherche vraiment la merde. Hein. Good boy. Non j'ai mis court. Ah non j'ai mis du fou. Je perds les pieds, dommage.
Ah, j'étais bien monté, dommage. Ça roule, mon vieux. Putain, je m'envole. De la tenter, je perds trop de temps à essayer d'aller sur table. Putain, mais ça roule, hein. Oh, de ouf. Ça change de tout à l'heure. Ah, je finis dans le ballot. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, je l'ai mis, mais je sais pas. Je pensais que c'était vous pouviez lancer de la pub tout seul, mais je sais pas à quoi c'est ça en fait. Non! Oh putain! Regarde comment je vais le doubler lui. Hop là! Y'a un mec, c'est un lapin avec sa yam, il casse les couilles, mais. Putain, mais non, mais il est sérieux lui! Bah, enjoy to... il va enjoy son ban lui, hein. Ah bon? Ah, mais il a tiré tout droit dans le premier virage. Ah. Juste pour me prendre l'avant. Plaisir. Mais les 4 premiers là, laisse tomber. Hein. Les 3 premiers, hein. J'arrive pas à revenir. Putain, dommage, j'étais bien. Putain, je vous ai du bon gameplay là sur la SX. J'espère au prochain SX je roulais comme ça aussi. Y'a rien de méchant dans ce qu'il m'a fait. Il a tiré tout droit pour finir en dehors de la piste quand même. Hein. Et je veux bien des blocs passe, mais bon, faut pas abuser non plus. Hein. Oula, je me mets tellement court. J'ai perdu du temps là. Il a quand même tiré tout droit le mec, hein. Dans le virage là. Oh, c'est pas méchant. Non. Encore, il aurait aussi resté sur la piste, je lui dis why not, mais bon. Ah, j'ai eu le 4 tout à l'heure. Là, ils aiment bien ça. Hein. Je te dis, oh tiens, vas-y, je vais rester à bloc, voir ce que ça donne. On sait jamais, peut-être que le virage à bloc il passe. Peut-être que je vais prendre l'appui sur le mec, ça va passer. Non, mais je prends l'arrière, oh j'en ai marre. Non. Il n'y a pas que c'est comme moi du coup. Ah mais ouais, je crois que je l'ai fait aussi. C'était mon plus rapide. Bon allez, 4 tombés là dans la ligne, nickel. 5 même. Combien là? 5. T'es 4 toi toujours? Non, je suis 3 là. Il est tombé. Bon, moi je vais essayer de garder cette place là parce que c'est chaud. Dernier tour, allez. Non, non, non! Putain, j'ai failli me prendre un tour par Quentin quoi. Il roule Quentin. Qu'est-ce que tu dis? Déjà, t'as l'air. Alexander Muscat.
T'en as mis gros là. Du coup, c'est qui t'a découpé? Je sais pas. Il y a quoi? Kawa? NKTM? Non, une comme tout le monde. Je sais pas, faut que j'aille voir la démo. Je sais jamais c'est quoi la... Non, c'est... Parce qu'il n'y a pas de serveur devant. C'est name, demo, report, voilà, je vais faire après. Mais du coup, il y a quoi comme elo sur le serveur? Parce que là, ça roule. Je suis 5ème du serveur. 5ème, ouais. Donc j'ai fini 5ème, donc c'est encore... ça reste la bonne opération. Hein. Ouais, j'étais premier. Ça reste la bonne opération, on est bien remonté, mais ouais, ça roule super fort. Bah, il y a 1516 de elo, hein, de moyenne. Ah la vache. Donc autant dire que c'est ultra, ultra, ultra complet. Enfin, homogène quoi. Qu'est-ce qu'il raconte notre chat? Le mec il est en 52. Bah il a deux mecs en 52 hein, sur le track hein. Ouais. De quoi ça parle de moi dans le chat là? Il dit qu'il y a des... Ils disent qu'il y a que des Mongoliens sur le serveur. Il y a le crescent, c'est normal. Tous mes fans sont venus. En tout cas, j'espère que vous avez quand même apprécié le gameplay là, c'était cool. Ça a bien bien roulé fort. Oh, puis ça reste hard en plus, les gens ont pas que ça à faire. Alors, on essaie de bien s'appliquer sur ce track là, le SX, il y a moyen de marquer des gros points. Si on arrive à bien rouler, faut juste s'appliquer. Allez. On s'applique. 22h17, on allez, dernière. Part en sous 5 et on va faire le shot. Ça dépend. Si je gagne beaucoup d'élo, j'arrête. Si je gagne pas beaucoup d'élo, je continue. Plus 24, 13ème, nice. 40. Objectif de 10 se rapproche. Hein. Allez. Moi, je suis top 5, mec. Normalement, la Kawa me porte pas trop la poisse, donc ça va. N'empêche, j'aime bien maintenant de gagner beaucoup d'élo, même si tu fais des. Même si c'est. Oh là, tout le monde sent. Mais ça n'a rien changé, c'est juste que l'élo est beaucoup plus compact en fait. Ouais. Mais non, mais il saute pas droit! Oh, j'ai la chance que j'ai eu. Oh, la chance aussi! C'est juste que les élos sont beaucoup plus compacts, donc forcément tu gagnes plus de points. Vu que j'ai. Le fait de. D'enlever un certain pourcentage à tout le monde, bah ça a compacté tout le monde en fait. Ouais, c'est vrai. C'est bien. Du coup, on est en début de saison pour ça. Allez. Là, on connaît la trace. Oula, on connaît la trace, mais on s'est mis un peu loin. Ça commence un peu mal là. On peut se reprendre. Allez, go. Pas non plus traîner. Ça vous êtes déjà là. Oh, ça roule. Putain, mais Quentin, comment il roule, moi j'arrive pas sûr. Rien pas dit. Je glisse, je glisse, je glisse. Voilà comme ça.
là comme ça. Voilà comme ça, faut faire ça tous les tours. Un peu plus propre, ça sera encore mieux. Ah, j'essaie de faire son enchaînement. Il fait un putain d'enchaînement, Quentin, avant. Après le sable là. Il fait double, triple. Ouais, il saute directement en double, ouais. Ouais. C'est propre. Mais du coup, il finit sur un simple. Non, des petites bosses après le départ là. Ouais. Mais ici là. Ah, ok, oui. En gros, il saute de la boss avec que tu sautes pas normalement, et lui il saute avec. Oh merde, putain, non! Bon allez, rodéo. Ah, le gros delette qui va passer là. Ok, merci. Combien Hugo? 8. Ah merde. Yes, Barry. On my stream on Hang Simulator, I have this average of viewer. It's just because I'm too fast, I think. Enfin, je fais de la merde, j'ai même pas parlé de boss. Allez, reconcentration parce que P9 là c'est un peu moche. Non, je parlais pied, sérieusement, je fais de la merde. Je suis désolé, je fais de la merde les gens là, je n'arrive pas à ce cycle, j'y arrive pas. J'arrive pas à me mettre dedans, c'est abusé. Oh, c'est pareil. Je vais me prendre un tour. Je suis une grosse merde. Il est difficile hein, vraiment. Il est ultra dur avec lui en fait. Ouais. J'arrive pas, je peux être rapide sur un tour, mais après quoi, être rapide pendant... comme ça pendant 5 tours, 6 tours. Ouais. C'est que les boss sont vachement à pic en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Elles offrent pas beaucoup de chance à l'erreur là. Tu te rates, c'est mort. En fait, il y a tellement de possibilités de faire des bons enchaînements quoi. Mm. T'as envie de mettre du gaz, de mettre des enchaînements et. Putain, c'est que je suis P9 et j'arrive pas à remonter, hein. Ah ouais, putain. Oh le fort. Non, oh putain. Ouais, je viens de faire un bon tour, une 3, ouais, nice. Genre une minute. J'ai une minute et j'arrive pas à rattraper le code de lettre avec son 250. Il vient de faire une cabriole, mon gars. Il a fait triple backflip, tout ce que tu veux, mon gars. Il est reparti. Châteux. Et tu te mets un poil court, tu perds les pieds. De ouf. Non. Ça enroule, mon pote. Ouh, une 1. Une minute, tout pile, une minute 0-0-0. Oh, pourquoi je ralentis, ça passe à fond quoi. Alors, je suis dégoûté.
J'avais pris cet enchaînement aussi, comme vous voulez que je sache l'enchaînement qu'il faut prendre. Tu vois. Ouais, avant le Régus, celui-là, t'as intérêt d'en faire des tours. Hein. C'est ouf. Ouais, enfin, je passe 8. Bon, la course est finie, ça y est. Horrible ma course, horrible. J'ai vraiment pas réussi à Régus, c'est abusé. Ce track est ultra, ultra dur. Oh putain. Je suis avec Gauthier en vocal. Putain, putain, c'était chaud. Fais une... Ouais. Putain, ça je suis désolé, le live, j'ai vraiment mal joué là. Mais ce track, il est tellement technique. Je commence à l'avoir là, mais bon, il faudra encore une ou deux courses dessus pour vraiment être aigu, quoi. Tu vois, ici, là, cet enchaînement, tu vois, il est chaud. Et après, ici, après tu fais quoi, toi, ici, là? Comme tout le monde. Double, double. Ah, tu fais triple, quand même. Triple, triple. Ouais, et quoi d'autre? Ah, je voulais tenter le quadrifle. Il est chaud. Bah ouais, il y a un peu de monde sur HC, je suis super content, mais malheureusement, je joue pas terrible. Enfin, je fais des bonnes courses, des mauvaises... Après, les tracks sont techniques, ce soir. Ouais, faut bien les connaître, mais ouais, ça fait plaisir qu'il y ait du monde. Salut à toi, MX Steve. Ouais, salut. Je serais même pas. Ouais, je sais pas pourquoi il y a du monde, mais ça fait plaisir. Il y a eu des follow, il y a eu Evan, merci beaucoup pour ton follow. Crypta, Sins, Félix, Nono Tweet. Il y a eu pas mal de follow, pas mal de re-sub et tout, donc ça fait plaisir. Mmh, c'est cool. Ça va revenir au stade de l'année dernière où je faisais pratiquement 200 viewers tous les soirs. C'était abusé ça l'année dernière, c'était vraiment abusé. Ouais, c'est ouf. Peut-être que je faisais de fou. C'était. Ouf, ça se faisait que tu faisais ça d'ailleurs. Je streamais vraiment beaucoup l'année dernière, quand j'étais à Lille. Je streamais vraiment souvent, et des grosses sessions. Et ma chaîne marchait vraiment du tonnerre de fou. Ma chaîne YouTube, donc forcément ça m'a amené beaucoup de monde. La Cry 2-4 là, ça monte un peu. C'est pas ouf, la chaîne secondaire a pris un gros boost. Tellement j'ai spammé les gameplays. Mais la principale, pas ouf. Peut-être MXGP va un peu plus, j'imagine. Genre là, tu vois, mon test, je m'attendais qu'il fasse beaucoup plus de vues que ça, le test que j'ai posté hier. Hein. Mais elle a du mal à la chaîne principale. Ouais, MXGP, je suis quasi sûr que si je poste la même vidéo sur les deux chaînes, elle ferait quasiment le double de vues sur ma chaîne secondaire. Alors que j'ai 5 fois moins d'abonnés. Chelou. Bah, vu que toutes les stats au vert sont à plus 1000% sur ma secondaire, je suis à plus 1000% en vue en 28 jours, plus 1000% de revenus, plus 1000% de subs, plus... Du coup, forcément, YouTube, ils aiment bien ces chaînes-là, quoi. C'est vrai qu'ils kiffent. Du coup, ils la mettent à mort en avant beaucoup plus que ma principale, qui est elle, qui a des stats classiques, quoi. Bon, du coup, on fait P8 quand même, c'est pas ouf. Tu devrais live plus, je peux pas live plus, machin, j'ai pas le temps de... Enfin... Je pourrais, le problème c'est que ça, j'ai d'autres projets que je pourrais pas faire en plus. Il a son gosse, tout ça, c'est pas du tout. J'ai ma copine aussi le soir qui travaille la journée, donc forcément. T'as beaucoup d'anglais sur la chaîne. Oui, je sais que j'ai beaucoup d'anglais, mais j'en ai fait exprès. C'est juste que j'ai mis. T'as dû avoir du rebond de YouTube. Peut-être, mais ma chaîne principale marche pas des masses non plus, donc. Elle marche pas mieux, donc peut-être, je sais pas. Et après, ouais, sur ma chaîne secondaire, j'en ai clairement abusé. Je savais que ça allait faire des vues, j'en ai fait plein, j'ai vu que ça avait des vues, donc j'ai continué. Et je continuerai tant que ça fasse des vues. Et c'est ma secondaire, donc je m'en tape un peu que ça casse le truc ou quoi que ce soit. Je m'en fous un peu. Moins 25, H, moins, mal. Plus 24, moi, je suis passé 4ème. Salut, ouais, c'est dommage, on voit pas les nouveaux follow. Comme ça, vous pouvez... Mais oui, vous voyez les nouveaux follow Robot Suisse. Merci beaucoup à toi pour ton follow, d'ailleurs. 200k, merci à toi. Mais normalement, oui, il y a une alerte pour les nouveaux follow. Ouais. Enfin, moi je l'ai entendu donc normalement oui. Je saute tellement pas droit. Je suis en bas. Allez, on réussit là puis on s'arrêtera là-dessus, je pense. Moi je me suis arrêté. Bonne soirée, go. Ça marche, ciao, bonne soirée. Bisous. Ciao, ciao. Bonjour à Témi. À Ténaïs. À ta copine, quoi. Ouais. Bonjour à Athéna, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est plus assez, bisous. Camille. Ciao, ciao. Camille. Bisous, Camille. Ah, merci, mais dans le bon sens.
Bon allez, faut... On se concentre et on fait une bonne course là, ce serait cool. Après ça roule tellement fort ce soir que c'est abusé. Comme quand même avec les 5 courses, les gens roulent fort quand même. Hein. Il faut aller chercher l'inter là. Parfait, je suis dedans. Allez, P4, on va essayer de le rester. Non, pff, je dis ça, je sors du virage. Normal. Bon, on voit rien dans le chat. Bah non, ça s'affiche pas dans le chat, ça s'affiche sur le live. C'est jamais affiché dans le chat, les follow. C'est les subs qui s'affichent dans le chat. De la merde. On peut jouer en chambre. Bah oui, Marchini, là tu viens sur le serveur, tu joues avec moi, y a pas de soucis. Oh, mais je fais de la merde, je fais tellement de la merde, j'aurais dû m'arrêter. Oh. Abusé. Bon, moi je suis dernier, nice. Je me cours, nice. Le jeu coûte 42$. Transclamation MX16 dans le chat. Je me cours, je fais de la merde, je fais tellement de la merde là sur cette fin de. J'ai pas réussi à bien jouer ce soir. Allez, go, concentration. Putain, j'ai 20 secondes de retard. Je suis dernier que 20 secondes de retard, quoi. Abusé. Je suis une grosse merde. Akaba m'aura pas porté chance finalement. Merci beaucoup HRC pour les bits, merci à toi pour les 100 bits, merci. Elle est tellement gigabic cette triple. Non, on va essayer de pas finir un dernier quand même, ça serait cool. Je suis plus dedans, je suis tellement plus concentré aussi. Oui, je vais aussi aller chercher l'inter. Oui, ça passe. J'arrive tellement pas à calibrer les sauts sur cette piste. Je sais jamais à quelle vitesse faut les prendre, machin. C'est assez frustrant. Mais je retombe. J'en ai marre de ces ornières, j'arrive pas à les faire. Je m'envole tellement, je fais n'importe quoi. Bon, je l'ai marre. Merci beaucoup à toi, Berry, pour le follow. Merci. Thank you very much for your follow. I hope you don't like this gameplay because I'm very bad tonight. C'est que mine de rien, ils sont quand même techniques. Hein. Même ce track là, il est quand même technique. Hein. Je n'ai pas l'impression, mais les ornières sont toutes petites. Donc pour les choper, c'est vraiment ultra dur. Par certaines, comme celle-ci là, intérieure qui est ultra big, j'arrive même pas à voir. Allez, repars s'il te plaît.
Bah bien sûr c'est moi qui tombe. C'est trop chiant ça sur MXS, c'est coup de raquette comme ça que tu te prends comme ça là. Je m'en aurai rien là. Ah, ça a pas été ma soirée. Clairement pas ma soirée, hein. Celle-là, vous la verrez pas sur YouTube, hein. C'est trop diff, ça c'est clair. Puis c'est, je sais pas, ces virages sont mal formés à chaque fois, je suis obligé de tourner, contre-braquer un peu, et retourner après. En fait, je suis obligé de faire mes virages en deux temps. Je peux pas juste me pencher et faire tout le virage, quoi. Allez hop, dégage. C'est la course de trop, clairement la course de trop. Clairement la course de trop. J'aurais pas dû la faire. Je tombe à chaque virage. C'est abusé. Mais à chaque fois partout, je suis trop long, c'est abusé. C'est... J'arrive pas à me calibrer les bosses dans la tête, j'arrive pas à retenir, je vais être trop fatigué pour, je pense. Parce que j'arrive pas à retenir la vitesse sur les jumps quoi. Genre, pourtant c'est pas dur quoi à retenir mais... A chaque fois pareil je me mets tellement trop long. C'est... J'arrive pas à les retenir. J'arrive pas à me dire là c'est court, là c'est long, là c'est court. Et j'arrive pas. Il y a juste celle-ci que je sais que c'est en fond de 2. Mais j'arrive même pas à me repérer sur le track pour te dire à quel point je galère et que je fatigue. En fait, l'arrivée elle passe à pleine balle, pourquoi je me fais cher à ralentir à chaque fois? Prends tout externe, mais c'est trop long tout externe, Alexis. Et là, je suis à des kilomètres. Puis j'arrive trois fois trop vite sur les boss. Le bon par l'avant que j'ai failli me mettre là. Allez, tu veux que je prenne extérieur, excuse-moi. Regarde là, extérieur, tu vas chercher 1000 ans plus loin. Tu virages, il est immense. On va sur une mini double. Merci Tony pour le follow, merci. Tu vois ce follow là-dessus, bah c'est assez exceptionnel. Allez, on ralentit pas mal. Ah là, on a bien ralenti. Il faut vraiment arriver à 2 à l'heure dessus. Premier tour, 1.44. 1.56. 2.16 au tour d'avant. On n'aura pas fini dernier au moins, mais c'est dégueulasse ce que j'ai fait là. Vraiment dégueulasse quoi. Abusé. Ciao Jérémy, ciao ciao. Non mais abusé là. Bon, on va faire une dernière parce qu'il faut pas que j'arrête là-dessus. 22h40, ouais je peux faire la suivante, je vais faire la suivante. Histoire 2. Que je perds tellement de points. J'ai commencé à 1606 le live. Bah, je vais être pas loin de perdre les points, je pense.
1165. Attends, il y avait quoi comme elo sur le serveur là? Quatrième, troisième. Ouais, je vais me prendre des sales points. Fini avant-dernier, laisse tomber. Bon, allez, là on se concentre. Celle-ci, on se concentre et on s'en fait une bonne et on s'arrêtera là-dessus comme ça. Mais ouais, ce soir, ça n'a pas été glorieux, quoi. C'est vraiment, je roule bien pendant un moment, je recasse tout, je remonte, je roule bien, je recasse tout. Black Knight, merci beaucoup pour ton follow. Merci beaucoup à toi. Allez, System Design Text Track, là c'est pour nous. Et on a pris moins 20, nice. Allez. On se concentre, on joue bien. On va serrer l'inter. Le mec avec sa KO, il a pas peur, hein, comme il a pris. Allez, go. Il est bien parti. Non, on a touché! Sérieusement! Oh, cette poids, j'en ai marre! Puis la semaine, je vais me faire déboîter par tout le monde. J'étais sûr que j'allais toucher de toute façon. J'ai trop plus crap que lui, donc forcément, j'ai touché. Allez, go! J'ai toutes les traces dessus. Mon double externe. Ouais, personne pour me gêner là, il n'y a plus qu'à rouler. Est-ce qu'on va remonter? On va voir tout de suite. 37. On a trop bien pris là. 35. Oh, on remonte. Place de gagner.
Eux, freinent ultra tôt pour ralentir. Votre réception 2, ça passe bien là. Attention, on s'en vient dans sa roue, donc attention de ne pas faire des conneries, qu'on mette trop plus dans sa roue. Non, non, oh le trou, dommage. Yo Val, yo, dommage, le trou il a fait mal. La petite compression là. Dommage, t'es bienvenu. Oh, ce cassage de saut là. Ça, on joue un peu mieux déjà. C'est ce que je disais tout à l'heure, il est ultra piégeux comme track. Il est facile à régu, mais à régu vite, pas évident. Mais pas si loin que ça. Oh, je suis en bas. Oh, je suis long. It's the 610 design test track, I think. Check on the ExcessRank website. Merci Guido pour le follow. Merci beaucoup à toi. Dernier tour. Et bien sûr, faut que je rentre dedans. Mais ça roule, hein. Franchement, ça roule propre ce soir. Ça, hein. Ouais. Ce que je dois voir, c'est que c'est Xerna devant là.
Allez, on se met. Ouais, parfait, là, je suis parfait dans la cèpe, là. Comment je l'ai rattrapé sur la fin? Oh, il était trop beau, là, le whip. Magnifique. Ce whip, ce finish là, je l'ai reposé nickel en plus. 1.40, bah j'ai fait le meilleur temps au tour. À mon dernier tour. Non, pas le dernier, c'est d'avant. 1.40, c'était moi le plus rapide. Ah non, 1.39, j'ai pas vu. Mais ça roule, hein. 1.39, 1.40, 1.41, 1.39, 1.41. Ouais, ça roule vraiment, vraiment propre. Hein. C'est ouf comment ça roule. Oh, un virage de plus. À mon avis, il y avait le sable. L'arrivée sera après le sable, j'aurais doublé. Parce que je l'ai vraiment rattrapé, elle avait faim, ça. J'avais une vitesse sur lui. Il a eu de la chance que le rouge me gêne. Mais ça va, on s'est bien rattrapé, je suis content, on a bien joué là. Donc je suis plutôt content. On s'est bien rattrapé de la course d'avant. Salut Anoria, salut à toi, bienvenue, welcome. Ça roule vraiment, vraiment propre. Comme auto, c'est une Kawasaki. Ciao Alexis, à la prochaine. Non, j'arrête là. Je vais arrêter là. Non, ça passe pas. Juste voir le combien de points je vais marquer. Quatrième, sachant que j'étais troisième serveur. Ah, je sais pas si je vais gagner des points. Je pense pas. Je ne pense pas. Puis on va aller voir aussi la personne qui m'a découpé tout à l'heure là. On va aller voir ça, puis on s'arrêtera là-dessus. Non, c'est pas le SX, c'est Glen Helen. Et après Glen Helen, c'est le SX. Donc je vais arrêter là, c'est sûr. C'est sûr les CT. Je sais pas si je vais prendre des points, je sais pas, j'espère. De toute façon, on a commencé à 1606 de Elo. On a quand même pris des points ce soir, quand même, dans l'ensemble. On aurait pu en prendre tellement plus. Je pense qu'on aurait pu monter le top 10. On n'a pas bien roulé. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Hein. C'est le jeu. Et on prend plus 8. Donc on a quand même gagné 47 points ce soir, quand même. Mine de rien, on a quand même remonté. Enfin, on a perdu quelques places. On est passé 17, on était 15. Mais. Ça jouait tellement fort que forcément, je voulais regarder mon dernier replay. L'arrivée là, mon whip était trop propre. C'était beaucoup, beaucoup trop propre. Bien sûr, je vais... Ah non, je vais passer. C'est où je me suis pris le coup de raquette. C'est là. Paf, l'arroir qui est parti là, dans le saut. Hop là. Ça c'est écœurant quand ça te fait ça sur MXS. T'es comme ça là, et d'un coup, l'arroir qui part. Et c'est mort. Pour mettre ça, laisse tomber.
C'est gros coup de raquette. Pourquoi il y a 3 circuits cette semaine que je sais pas télécharger? Sans ça, je suis pas des autres semaines. Moi, je voulais le saut d'arrivée. C'était là. Là, j'ai pris à une vitesse ces virages là. Là, j'avais 2 secondes 4. En 2 virages, je vais remonter, mais tellement. 2 secondes 5. 2 secondes 1, là j'ai pris plein de gages, je me suis envolé sur le saut là. Une seconde 6, une seconde 5. Il devait voir son retard reculer. Une seconde 1. Puis là je suis arrivé. Le whip que je t'ai fait là. Regarde-moi ça, je suis arrivé là, je t'ai cassé le jump comme pas possible. La moto, plus qu'à l'envers. Et je suis reparti, pour remettre ça. Et je dis merci la petite bosse sur le côté, pour la remettre nickel quoi. Ce whip mama, regarde. Wap. Ultra propre quoi. Et je me sors la petite bosse pour réceptionner quoi, sinon jamais je l'aurais remis. Ultra propre. Et je voulais voir l'autre que je voulais répondre tout à l'heure, parce que c'était un peu sale ce qui m'a fait. MX Simulator, démo, c'est ça, report. Il était propre le whip là. Propre, malgré que j'ai pas très bien joué dans notre course, j'arrive quand même en whip. J'arrive encore à whip. Mais je pensais pas le remettre, hein. Franchement. Merci la petite bosse. Tu vas sur le forum et tu vas sur le topic, tu cliques sur le topic et tu l'as. S'ils sont pas sur le site, c'est tu cliques sur le topic et tu les as, Hugo Deschamps. Faut que je mette à jour les tracks où ils demandent à chaque fois le mot de passe, les trucs. Toujours un peu galère lancer les démos. Perd vite du temps. Bêtement. Bêtement. Allez, loading bike. Il y a tellement. Ah ouais, j'ai tellement de mal à charger là, de moi. Et c'est qui du coup qui m'a fait le sale interne là? Lui c'était réglo là ce qu'il a fait. Je vais à la porte donc c'est lui. Vous voyez par exemple. Lui il est venu du coup se faufiler à l'inter. Et là c'était réglo ce qu'il a fait. Heureusement que je recoupe pas et que je sais jouer. Hein. Ils sont partis à la faute tous les deux. Et c'est au du coup c'est au tour d'après. Non, celui d'après encore. Oh, c'est là où c'est tout sauf réglo quoi ce qu'il a fait. Du coup c'est qui? C'est Johan Bourdieu. Mais il a foncé plein de gaz quoi. Il a remis du gaz pour me découper quoi. Et puis du coup il se retrouve hors de la piste quoi. C'est tellement moche qu'il a fait. Bon bah Johan Bourdieu, on va lui mettre un petit je vais voir s'il a déjà eu des trucs mais on va lui mettre un truc c'est clair. Ah merde, il n'y a plus rien sur cette page. On va faire autrement. Slash prothèse forme. C'était à la course. D'encore avant. Comme ça, vous allez voir. Hein, si vous voulez faire des reports, c'est facile. C'était Johan Bourdieu. 1-1 submit. Que je puisse la voir. Slash report list et là je vais l'avoir là du coup mon dernier là hop sanctionné. Est-ce qu'il a déjà eu des trucs avant ou pas Johan? Oui, tout à block pass. Bah écoute, il va prendre une semaine de ban du coup. Reason hard block pass sanction ban 1 week.
Ban 1 month. Mettre un ban jusqu'à au 14. Envoyer et c'est fait. En tout cas, j'espère que ce live vous aura plu sur Twitch. C'était bien cool. On a fini un peu tard ce soir, donc je vais arrêter là. Voir s'il y a du monde à host. Je ne pense pas à cette heure-là, mais on va voir ça. Je mets juste un peu de musique. Tac. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a du monde host du coup? On sait jamais. On est mercredi soir. On sait jamais. On va regarder. Mais simulateur. On est mercredi soir. Tais-toi. Non, anglais. MX Bikes. Anglais. Puis sur les autres joueurs, iCat peut-être. Et qui sur iCat en ce moment? Non, il n'y a personne. Donc bah écoutez les gens, je vais vous laisser là. J'espère que la soirée vous a plu. En tout cas, c'était bien sympa. Puis on se donne rendez-vous très vite pour un prochain live. C'était MXWay. Ciao, bye bye. You always say the right things, like you're pushing me away.